c'est Juanito. On se retrouve sur Dawn of Man, les amis, pour continuer notre village. Et peut-être, je dis bien, parce que ça va pas être simple, passer à l'âge de fer. Mais il nous faut 25 points de connaissance et nous n'en avons que 5. Donc il va falloir que je farme très fortement, si je retrouve la touche. Voilà, que je farme très fortement les knowledge. Par exemple, vous voyez que pour les armes crafter, je peux faire 3 crafters, ça va me faire un knowledge. Je peux faire un totem, ça va me faire un knowledge. Je peux faire une maison ronde, ça va me faire un knowledge, etc., etc., etc. Par contre, on va pas accélérer aussi vite. Vous voyez que là, je suis en train de faire une maison ronde. D'ailleurs, je vais en faire une autre maintenant. Ah, par contre, eux... Ah, voilà, je vais pas faire cette maison-là. Je vais enlever celle-là. Et je vais la faire certainement un peu plus loin. Alors, attendez, on va faire quelques petites modifs ensemble. Déjà, je vais tuer ce bœuf aussi. Et on va aller chasser. Alors là, j'ai beaucoup de... Attendez, j'en ai qu'un. Bon, c'est pas grave, on ira en chercher d'autres. Mais là, il faut vraiment de la bouffe. J'ai plusieurs petites choses à faire. Alors, on va commencer par ça. En même temps, je voudrais vous remercier, les amis, parce qu'on est certes pas beaucoup à regarder la série. Mais les peu de gens qui la regardent m'ont tous envoyé des commentaires très sympas sur le fait qu'il fallait que je continue et que le jeu était bien. Et bien, sachez que le jeu me plaît autant à moi qu'à vous. Donc, ça me fait plaisir de vous le faire partager. Et donc, on va continuer cette série, même si on n'est pas des tas à la regarder. On va modifier cette maison. On va tuer ce cochon. On va essayer de prendre du monde, donc ils sont pas trop fatigués pour aller... à la chasse. Alors, déjà, on a 110 personnes. Là, au niveau des tâches, c'est le 6, 7. On est à 61% de tâches. Donc ça, ça va. Là, on fait à manger, on va chercher un peu, on va tuer des animaux. Faut qu'on répare tout ça. Alors, là, on n'a pas trop de tâches. On va les laisser faire. Par contre, il faut que je me prenne absolument du monde pour aller chercher à manger. Sinon, ça va être très compliqué pour nous dans quelques instants. Alors, dans quel genre de santé vous êtes-vous? Ouh, salut, toi. Voilà. Go. On va aller faire ça. On va mettre en speed 4. J'espère qu'ils vont pas courir trop loin parce qu'ils courent vite, eux. Alors ça y est, mes chasseurs sont en train d'arriver. Faudrait qu'on fasse un carnage et qu'on ramène les enfants. Ça, ce serait l'idéal. Si on peut tuer les 3 grandes et ramener au moins 2 petits, on est bien. On est refait pour l'hiver. Last cattle dead. Vous voyez, on a plus de vaches. Attention, il s'approche, Yes, et 2-1. 2. Allez, allez, allez les gars, vous pouvez le faire. Il est où? Il est loin? Non, il est pas loin, il est coincé dans les rochers. Allez, c'est maintenant là. Yes, allez, c'est pas fini. Ok, toi tu vas capturer. Est-ce qu'il y a encore des petits par là? Là, on a fait une bonne petite. Ouais, ici. Toi tu vas capturer. Capturage. Regardez, regardez. Ça y est, il a chopé, c'est bon. Ok, là on s'est mis bien les gars. Là on s'est mis pas mal. Vous voyez, ils vont chercher les charrettes. Alors, on a des chevaux normalement. Est-ce que j'ai des chevaux? Ah non, j'ai 0 chevaux. Faudrait que j'emprisonne des chevaux. Enfin, que je les capture. Donc la bouffe, on devrait remonter. Ok, ça c'est bien. On est bientôt à l'automne. Alors, est-ce qu'on peut se permettre encore un petit peu d'aller à... Allez, chasser ça. Allez-y, les gars. Unissez-vous. Voilà, là, ça découpe. Lui, ils ont faim. Alors, attendez, on va suivre quand même cette chasse. Alors, ça court vite, les sangliers. Hein. Note pour plus tard, ne pas trop chasser de sangliers. Ouh, salut, vous. Est-ce qu'on vous ferait une petite razzia? Qu'est-ce que c'est, ça? On le tue, ça? Cattle. Ah ouais, c'est notre vache. Ah mais faut qu'on la remette, on va pas de suite la tuer quand même. Ça y est, du coup, on a 4 vaches. Parfait. Alors là, par contre, faut vraiment qu'on ait à manger. Non, ça va à peu près. Écoutez, les amis, on va aller jusqu'à l'hiver. Et moi, ensuite, je vais essayer de passer l'hiver en solo. Et je vais surtout essayer... là, on va passer l'automne ensemble. Et je vais voir si on arrive à tout récolter. Ensuite, moi, je vais passer l'hiver et je vais rusher donc les knowledge. Sachant que aussi, les prochains raiders, prochaine attaque de raid, faut qu'on soit prêt. Hein, parce que... Faut vraiment pas se faire défoncer. Là, on est à 76% des tâches à faire. Ça va. 81. Vous voyez, ça monte. On va peut-être devoir réduire les zones. Je vais peut-être réduire une zone de coupage d'arbres. Quoique, là, on en a... Alors, combien il y en a? Combien j'ai de personnes dedans? 5. Donc, on va en mettre 3. Et j'ai une autre zone de coupage d'arbres ici. On va mettre 3 personnes aussi. Voilà. Ok, cool. Zone de chasse, on va en mettre simplement 4.
Et on va se garder des personnes en rab pour aller faire des petites virées de chasse exceptionnelles. Ça, c'est à nous, c'est notre vache. Et voilà, il y a une zone de chasse qui est ici. Et ils sont déjà 4. Donc on va mettre 3. Voilà, un peu de monde en rab, ça va être important. Donc du coup, est-ce que ça diminue les tâches? 50%, vous voyez? Pending tâche, il reste tout ça à faire. On est à 50% des personnes utilisées. Donc ça, c'est très bien. Du coup, là, normalement, on devrait avoir le temps de tout faire. J'espère, on va voir. Et du coup, je me tâte à peut-être mettre... Ah, faut que je m'occupe de ça aussi. Je me tâte à peut-être mettre de l'autre côté des champs. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de gens de l'autre côté. Ah, il y en a un autre là. Donc ça. Ça, on le ramène. Ça, on le ramène. Ça, on le sort de terre. Et déjà, c'est pas mal. Eux, ils sont beaucoup trop loin, c'est dommage. Oh, il y a un petit lac très mignon ici. Malheureusement, c'est trop loin de chez moi. Alors, on revient. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui font des... Ah oui, alors attendez. Il fallait que je fasse ça aussi. On va autoriser le blé dans cet établissement de nourriture. Parce que là, actuellement, le blé est entièrement stocké là. Et ce serait bien d'en mettre un petit peu de l'autre côté d'ailleurs. Là, on va accepter du lait. Du blé dans l'un et du lait dans l'autre. Voilà, parfait. Du coup, là, on va ramener les totems. Ça et quoi, je vais faire une petite maison supplémentaire. Alors on va mettre un feu. Alors là ils peuvent faire à manger. Là ils peuvent maintenant faire à manger. Et ici ils peuvent aussi faire à manger. Donc des feux, il y en a normalement un petit peu autour de la nourriture. Suffisamment. Ah voyons les roundhouse. Est-ce que j'en ai besoin de faire une autre? Knowledge c'est F8. Voilà, roundhouse on les a eu. Combien on est? On est à 6 points. Alors qu'est-ce que je pourrais faire là? Faudrait que je tue un ours. Cave, beer and beer. Ah, ok, faudrait que je tue des ours. Des bisons. Ah, mais ça, je sais pas s'il y en a encore. Hein. Des cave lions. Ok, faudrait que je fasse un storage tent. Faudrait que j'en fasse deux. Ça, c'est des trucs qu'on a au début. J'aurais dû les faire avant. Hein. Crafter, des storage tent. Par contre, je peux faire un totem. On va faire un totem. Un totem. Est-ce qu'on a mis là-dedans des totems déjà? Non, mais on va s'en mettre un ici. Parfait. Voilà, on va le mettre en priorité. Donc là, knowledge. Parfait. Les champs, vous voyez qu'on arrive à la fin et qu'ils sont pratiquement terminés. Mais ils sont pas encore amassés. Donc je pense pas que je puisse vraiment trop rajouter de champs, en fait. Donc, peut-être un petit de ce côté-là. Qu'est-ce que ça a été ramassé, ça? Normalement, c'est ramassé. Ça nous fait quelques fruits. On a que dalle de fruits. Ils ont dû être mangés. Et on n'a pas de light clothes pour tout le monde. Alors, voyons. On se fesse. Ça et ça, et combien on a mis au niveau des ressources? On va mettre 50. Hein. Écoutez, on va mettre 100 pour tout le monde, voilà. Hop. Et là, le crafter, est-ce qu'on fabrique? Alors. Du coup, on a peut-être plus besoin skin, laser, wool et linen. Alors, est-ce que ces deux-là remplacent ces deux-là? Auquel cas, ça, je le pète. Hein. Recyclage, parce que là, tout ça, enfin, on n'a plus besoin de fabriquer puisque c'est fabriqué là. Fabrique arc, canne à pêche. Alors ça remplace canne à pêche et ça remplace les arcs. Là, ça on le fait. Et les armes. Par contre, on fait pas d'armes, non? Voyons. Ah non, 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 non. Donc ça, on le recycle pas. Puisque là, on va simplement faire. Alors les os, on... non, quoique on va continuer à faire en os aussi. Hein. Alors ça par contre j'arrête, ça j'arrête, voilà. On arrête ça et la production d'arc elle est ici. Et des arcs, on va en faire plus hein, je pense. Hein. Combien on en a des arcs? 75%, non c'est très bien. Ok, est-ce que ça je m'en mettrai pas une deuxième de ce côté là? Est-ce que je virerai pas ça? Sachant que les outils, combien on a dit? Outils on a 100%, 75%. Alors les vêtements... On va remettre à zéro. Voilà, et on va voir si ça suffit, s'ils ont ça. Du coup, ça, le linen va remonter, sachant que le linen, on en fait là. Voilà, on n'a pas énorme de bouffe. Hein. Il va falloir qu'on s'occupe de nos bestioles. On a 5 cochons, on a 10 chèvres, 6 vaches. Et écoutez, on va prendre des chasseurs, on va les chasser vite fait. Ah, parfait! Tout ce qu'on avait besoin.
Allez, là, faut qu'on fasse grosse radia encore. Surtout s'il reste coincé, c'est parfait. Non, 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 non. Mais non. Restez là, restez là. Puis il y en a plein en plus. Oh là là, tout le monde qu'il y a. Là, il y a la grosse famille. Quoi? Il est mort, il est mort en plein chemin de son vieillage, le pauvre. Oh là là, et là, ils sont tous tristes. Ils ont tous envie de rentrer, là. Ah bah ouais, c'est normal. Ils sont partis en XP. Il est mort à côté d'eux. C'est triste. Ok. J'ai pas capté le bug. Ok, cool. Bon, lui, il reste là, hein, écoutez. Et notre sanglier, on le tue ou on le tue pas? Oh, la vitesse, le sprint qu'il a fait, le sanglier. Ok, trader. On va peut-être lui acheter de la bouffe, hein, s'il en a. Ah, pig. On lui prend deux cochons? Non, on va lui prendre un peu de bouffe. On va lui prendre du poisson. Et ce sera déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Tout ça pour une valeur de 11. Finalement, on va lui prendre peut-être un cochon. Tiens, fais péter un cochon. 81. Alors... Voilà. Voilà, 81, parfait, bam. Ok. Alors ça y est, on est au début de l'hiver, on a 31 de bouffe, c'est trop peu. Hein. C'est encore beaucoup trop peu. Il faut quand même qu'on s'occupe de tout ça rapidement. En essayant de capturer vous, mais vous êtes un peu loin vous aussi. Hein. Ok, bon, on est en plein hiver comme prévu. Hein. Je vais faire une petite ellipse. Voilà ce qu'on forme notre petite âne. Oh, cool. Ça y va, Dodan là. Ça marche bien. Notre système il est là. On est à 7 points du coup. Bon, les amis, je fais une petite ellipse. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Et ce qui devait arriver arriva. Nous avons passé l'hiver. C'est déjà bien. Regardez, j'ai construit une petite tente de storage. Puisque, hop, regardez, storage tent. Il faut que j'en construise 5 sur 5. Donc je vais la construire, la péter aussitôt parce qu'on en a pas besoin, mais au moins ça va me faire avoir les knowledge. Et ici pareil pour les crafters, d'ailleurs je vais le construire direct à côté. Ensuite on va s'attaquer à nos raiders. Alors le crafter, c'est dans production, crafter, voilà, je vais faire les deux ici. Et comme ça les deux seront à péter juste après. Donc nos raiders. Ah c'est des chevaux sauvages ça? Ben non, même pas, c'est des deer, ok, c'est des cerfs. Famille de cerfs. Alors, où sont nos raiders? Ils sont là. Oh pardon. Oh purée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ils sont 12. Oh là 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 là. Et ils arrivent d'où? Bon, et ben on va sonner l'alarme. Vous allez vous pointer ici très rapidement. Là, on a pas mal de monde. Allez, grouillez-vous, les gars, grouillez-vous. Grouillez-vous parce que les raiders arrivent. Alors, attendez. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je les mets juste à l'intérieur ici? Ici. Et que du coup, je ferme les portes. Est-ce que ça va marcher? Ils sont où? Ils sont là. Non, non, mais restez là, les gens. Là, tout le monde s'est arrêté. Je vous dis d'aller fighter. Vous allez fighter? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Allez, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que ça va bien fighter, là. Qu'est-ce qu'il y en a ici? Il y a... Ah, il y en a un, ça y est, ça jette de la lance, ça y est. Allez là! Qu'est-ce qu'ils font les raiders? Allez là! Mais tirez-moi des lances, ils font rien! Ils sont chiants, hein, franchement. Regardez-moi ça. Ils sont incapables d'attaquer. Regardez ça! Ça attaque pas! Ils n'attaquent pas! C'est pas vrai. Ils sont relous. Ils sont relous dans ce village là. Les gars, ouvrez les yeux. On est en train de se faire attaquer là.
Oh là 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 là. Allez, allez. Oh là là. Oh là là, mon dieu. Ça va, on résiste. Ça aurait pu être pire. Allez, on a plus de tours. C'est pas grave. Ouh, hein, mon dieu, j'ai eu peur. Hein. Je vous le dis, c'était le stress total. Alors, ça, on va refaire ici. Eh oui, c'est bien, les gars. Bravo. Mais bon, vous auriez pu vous réveiller avant, quand même. Allez, on va arrêter l'alarme. Oh, mon dieu, j'ai eu peur. Je pensais qu'on allait y passer. Hein. Bon, je dois vous dire la vérité. En fait, tout à l'heure, j'ai fait une autre partie et ça s'est pas du tout aussi bien passé que ça. J'ai pas fait gaffe à la bouffe. En fait, je suis mort. Donc là, je peux vous dire que je suis bien content qu'on en soit là et qu'on soit resté en vie. C'est bien, mon chien. T'as bien combattu. Donc, ah, ici, c'est bon, ça va être reconstruit. Voilà, ça c'est fait. Ouais, on va pouvoir booster un peu. Alors de la bouffe, on est encore à la ramasse hein, niveau bouffe, vous avez vu, c'est fou. Hein. On n'a pas de chevaux, par contre on a 7 vaches. Oh. Mais alors ça c'est des ânes, ça court trop vite pour moi. Des ânes, on a combien? 5. Nous c'est pas ça qu'on veut manger. Nous ce qu'on veut manger c'est autre chose. Bon, écoutez les amis, je suis reparti dans une petite ellipse. Je vais essayer de trouver à manger et de survivre encore cette année. Difficilement, mais on va y arriver, je pense. J'espère. Bon, écoutez, exterminez-moi ça. Voilà. Et puis, on se retrouve dans quelques instants, je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve un peu plus tard. C'est l'année suivante. Et regardez ce que je peux avoir. Je peux avoir le brewing pour faire de la bière. Shift-click, tout trade multiple. Donc, c'est 300. Et voyons, average, à mon avis, ça va être plus cher que 300. Voilà, 420. Donc, est-ce qu'on peut lui filer ces 420$? Parce que ça, ça vaut que 1. Lui filer quelques habits. Quelques habits comme ça, ça vaut que 1. On va lui filer un peu plus, 120. Alors ça, je suppose que ça doit être 1 aussi. Ça va être compliqué, les gars. Je sais pas si on va y arriver. Voyons, c'est 1. Oh là là, comme ça, tout ça, ça baisse. Non seulement ces tarots sont plus chers, mais en plus les miens sont plus bas. Ah, ça, c'est 5. La pelote. Ouais, ça va, on s'en sort bien. Et un petit peu de linen vu qu'on en a d'avance, voilà, parfait, 420, 420, on lui prend ça. C'est bien cher, mais écoutez, on va essayer. Bon, moi, maintenant, regardez, hop, si on va sur les knowledge, on aura... Ah, mais je l'avais pas. Attendez, je l'avais, on est bien, je l'avais pas fait, on est bien d'accord. Baking and beer. Brewery, baking and beer. Alors, voyons qu'est-ce qu'on a débloqué. Brewing unlocked. Donc ça c'est bon, ça va. Est-ce que bouffe, on n'est pas trop mal. Sachant qu'on est qu'au début de l'été. Alors pas trop mal, ce serait bien d'être à 100, mais voyons si on a débloqué des nouveaux bâtiments. Alors storage, production. Brewery, cool. Est-ce qu'on a fait de quoi? Alors ça va être après. Oven et watch. Oven et watermill. Et brewery, c'est ce petit bâtiment là. On va le mettre plutôt à côté des champs, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va essayer de mettre ça, faire un petit peu de bière. Sachant que... Alors on va le mettre là, hein, tout simplement. Même pas, on va le... Oh, dommage que je puisse pas le... Là, ça me paraît pas mal. Bon, c'est quand même un peu trop devant la porte, dommage. Est-ce que là, c'est l'arbre qui me gênerait? Ok, on va péter cet arbre. Au boulot! Cassez-moi ça, vite! J'espère qu'ils sont pas trop débordés. On est à combien? 56%. Normalement, c'est bon, mais bien. Alors, la bouffe va descendre à vue d'œil. Allez, vite! Pétez-moi cet arbre, les amis, s'il vous plaît. Merci. Non? Toujours pas? Toi? Non? Mais... Ah ouais! Ils sont tous occupés ou quoi? Toi? Ici. Non? Ah, non? Toujours pas? Ok, on va faire différemment. Toi? Viens là et tu coupes ça. Au boulot! Où tu vas? Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un outil, c'est ça? Voyons s'il va chercher un outil. Ah non, il a pris sa petite charrette, très bien. Ah, c'est pas trop tôt! Ça y est! Voilà quelque chose d'intéressant. Enfin, ils vont pouvoir ériger la stèle ici, là. C'est là qu'ils vont la mettre parce que là, on n'a pas grand-chose pour prier à part le pylône que j'ai rejeté tout à l'heure.
Ok, très bien. Petite production de bière. Allez, coupe, fiston, coupe. Enfin, il a l'air un peu vieux, il a pas l'air d'avoir trop de force. Si je peux mettre là, c'est parfait. Bam, ça c'est fait. Cool, alors voyons, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, on peut le péter. Ça, on peut le péter. Ah, il est pas fini ou quoi? Et ça. Alors, ça, c'est pas fini non plus. Donc, ça doit être fini. Péter. Et ça, c'est fini. Non, presque. On accélère. Allez, au boulot, les gars, au boulot! Au boulot, au boulot, 45 de viande. Structure build storage, vous avez vu, on a eu le knowledge. Et là, quand on va finir ça, normalement, on va avoir l'autre knowledge. Recyclage. Ok, donc là, on recycle. Là, c'est bientôt fini. Ah non, voilà, il y avait celui-là en plus à faire. Ah si, les crafters, c'est bon. Il est en train d'être recyclé, parfait. Ok, alors faisons le point. Faisons le point sur tout ça. F8. Donc ici, vous voyez qu'on a tout fait, il me manque plus que les... Ah, c'est quoi ça? Une mine de tin mine? Ah ben, on va faire ça de suite. Alors, déjà, on va ralentir un peu le temps, parce que je vois qu'ils commencent tous à souffrir, là. Alors, tin mine, c'est parti. Bam, métallurgie. Tout ça, on l'a fait, hein. Metal smith, c'est bon. Copper mine, tin mine. Quelqu'un est mort de vieillage. On n'a pas assez pour se réchauffer, apparemment. Bon. On va quand même s'en sortir comme ça. Alors, est-ce que là, c'est du... Qu'est-ce que c'est, ça? Flint, excellent. Alors, attends, on va faire une mine de... Ah, et toi, je t'avais pas vu non plus. Alors, on va faire toutes les choses en leur temps. Donc, on va commencer par production de métal. Et ensuite, alors, tout ça, c'est pris. Ouh, salut, vous. Alors, attendez, tant qu'on est là et qu'eux sont pas trop loin, on va prendre quelques chasseurs qui sont pas fatigués, ça serait bien. Alors toi, est-ce que t'es un chasseur? Tu n'as pas l'air d'être un chasseur. Ah si. Donc toi, tu vas aller... Il avait un arc à la main, c'est pour ça que j'ai vu que c'était un chasseur. Ici, pendant ce temps, nous, on va trouver une mine de tin. J'en avais vu une pas trop loin. Alors celle-là, elle est déjà occupée. Là, il n'y a plus que de l'iron. Je sens qu'elle était derrière cette montagne. Voilà, elle est là. Ah non, c'est du copper. Mince. C'est du copper. Là, c'est du fer. Celle-là, elle est déjà prise. Ah, ça. Copper. Copper. Bon. Pas de bol. Le tin, c'est blanc. Alors, on va bien. Ah, voilà. Il y en a là. Bon, elles sont super loin. Mais qu'est-ce que je fais? J'y vais ou je vais pas? Je vais voir si on n'a pas une plus près. Allez, j'ai celle-là qui pourrait être éventuellement un peu plus près du village. Et j'ai celle-là qui est tout près du village. Donc, on va prendre celle-là. Voilà, cool. Enfin. Donc, c'est parti. Tin. Bam, on clique, on met en création urgente. Ici, on a tout replanté. On est quoi? On est au début de l'automne, parfait. On va pouvoir cueillir ça. Ah, voilà qui est bien. Ça va aller beaucoup mieux maintenant que vous avez un beau menhir en plein milieu là. Combien il nous en reste de menhir? 7. Cool. Ici, ça avance. Il manque deux trucs comme ça. Il y en a encore un peu. Bon, tout a l'air d'aller. 44 de bouffe. Petit freeze. Est-ce que mes chasseurs sont partis chasser? Ah, ils sont là, non? Yes. Alors, pas lui. Oh non, ils s'en vont. Ah, dommage. Alors, attendez, il y en a là. Allez. Allez sur eux, ils arrivent. Non mais non, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez? Non mais les gars, je vous ai dit d'aller là. Ok, ils veulent pas. Ils veulent pas, ils sont trop fatigués. Faire structure brewery plus un. Ah, au rock attack, ça se passe où? Bon, ils sont vraiment définitivement trop loin là. Dommage parce qu'ils étaient blessés. Et la bouffe 33? Aïe, 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 aïe. Alors là, la brewerie, c'est bon. Je me suis perdu. Il est là, mon village. Purée, mais... Et d'où vous traversez sur mon pont, là? C'est payant, les gars. C'est des chevaux, ça? Et vous traversez pas comme ça. C'est des chevaux sauvages. Ok. Alors, on va tuer une petite vache, tiens, pour la peine. Combien on en a? On en a 3. Bon, on tue une. Par contre, on n'est pas... On n'est
pas parti en chercher plus que ça. Et on n'est plus qu'à 17 de bouffe. Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi? Je suis une petite ellipse. On se retrouve après l'hiver si j'ai réussi à le passer. À tout à l'heure. Eh bien, les amis, me revoici. Nous venons de passer les knowledge au niveau du poisson. Nous venons de passer les knowledge au niveau... Ça vient de s'effacer. Mais en tout cas, regardez, nous sommes à 24 points. Si on regarde un petit peu ça, regardez, j'ai tout rempli ici. Il me manque les deux menhirs que j'ai mis en fabrication, mais il faut le temps de les ramener. Et après, au niveau des poissons et tout ça, on y est presque, hein, sur les ressources. Vous voyez que si je fais des pots, 421 sur 500, je vais l'avoir. Là, encore 19 de ça et je vais l'avoir aussi. Là, je pense qu'on a été au max, voilà. Donc, on y est presque, on y est presque. Alors, normalement, je devrais bien m'en sortir au niveau de la bouffe. Alors, vous pouvez voir que j'ai commencé à renforcer mes barrières. Au niveau de la production, si on regarde le pourcentage de production qui est... Ici, vous pouvez voir qu'au niveau de la pierre, j'ai mis production illimitée. Donc là, ils vont aller en chercher sans relâche. Parce que je commence la fortification de mes barrières, hein, pour les futures attaques de raiders. Et on peut voir que ça y est, ça démarre. Alors voyons au niveau des tâches, à combien ils sont. Voilà, 87%. Donc ça, c'est très important. Il faut toujours les vérifier. Vous voyez toutes les tâches qui restent à faire. La plupart, c'est les murs. Autrement, ils s'en sortent à peu près bien. Et au niveau de notre bière, alors à chaque fois, elle est bue immédiatement. Hein. La bière ne traîne pas. Mais on peut voir au niveau des knowledge... Que la bière, regardez, j'en suis à 8 sur 10, encore 2, et je vais avoir mon truc. 24, donc je vais même pas avoir besoin forcément de ramener les menhirs jusque là, sachant qu'on a déjà des choses non loin d'ici, donc ça je vais pouvoir l'enlever. Hop, et je pense que si on fabrique rapidement nos bières, on va monter la priorité. On va pouvoir ensemble, dans quelques instants, passer à l'âge de fer. Voyons si on peut pas encore faire un peu de ressources, parce que là on est au début de l'automne, dans quelques instants. Et ici, on a pas mal de auroc. Alors ça nous rapporte bien de bouffe. Hein. Ceux-là, faut vraiment les prendre. Est-ce que toi, tu es un chasseur? Non, tu m'as l'air d'être un enfant. Ici, qu'est-ce que tu es, toi? Alors, il a une lance. Est-ce qu'il y en a plusieurs comme lui, ici? Un, deux... Bon, écoutez, on va faire comme ça. Hop! Vous! Les amis, vous venez là. Et j'ai envie de vous dire, vous vous dépêchez. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et là, attention, carnage, c'est parti! Là, ça va chier pour le troupeau, les amis. Et de 1. Alors, on va voir s'il s'échappe pas trop loin. Et de 2. On est obligé de faire ça, hein, c'est pour la communauté. On n'a pas le choix. Et de 3. Alors ici, celui-là, il va être attrapé. Donc là, il n'y en a qu'un qui va, voilà. Donc je reprends eux. Est-ce qu'on en a d'autres dans le coin? Ici, il y en a un petit. Bam. Donc là je lâche, il y en a qu'un qui va. Et ici, je fais ça, off. Et là c'est bon. Alors, où tu t'en vas toi, petit malin? Ah, il est déjà... Non? Personne va le chercher? Bon, ok. Ok, on est content avec ça. Allez les gars, rentrez à la maison, ceux qui sont fatigués. On va faire des roundhouse, ils vont être mieux peut-être. Hein. On va commencer à upgrade les maisons. Gentiment, on est toujours à 24, bientôt le dernier. Alors, on va faire une dans chaque petit village, voilà. Alors, vous voyez que tout le monde n'a pas d'habits, hein. Bir attaque. Ok, il est dead. Par contre, pourquoi vous êtes aussi loin, les gars? Faut pas partir aussi loin, là, revenez à la maison. Où est-ce qu'il est parti, lui? Oh, vous avez vu jusqu'où il était? Et en plus, ils sont partis tuer un ours, très bizarre. Bref, combien on est? 41 de bouffe, ça va, on n'est pas trop mal. 24... Au niveau des bières, alors voyons, on va voir ce que le marchand va nous offrir. Ah, il a quelques moutons, alors on va lui prendre à manger, nous. On va lui prendre à manger, on va lui prendre un mouton. Combien c'était le mouton? 75, et du coup, ça fait cher. Mais bon, c'est pas grave, on a encore un peu de ressources d'avance. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Voilà. Des outils, hein. On a de quoi refabriquer, on a tout ce qu'il faut. Alors par contre, ça fait pas beaucoup monter, mais qu'est-ce que vous voulez? Au moins, on peut se débarrasser de ça sans problème. On va faire quelques habits, mais pas trop. Là, ça là, c'est 1. On a plus de vêtements chauds, j'ai l'impression d'avance. On a la dèche. 98, 103. Et 113, on va reprendre deux petits outils, voilà. 111, parfait. Du coup, combien on a d'animaux? 5, 6, 7, 7, 7, 14. 25, 30, 31, on a 50 places, parfait.
se retrouve avec un petit peu de nourriture. Et on n'a toujours pas passé notre point de connaissance. Même somme. Les voix qu'ils ont, c'est n'importe quoi. Et vous voyez que là, on a plus... Si, on a 32 strous encore. Combien on a? 11 vaches. Tuons une vache. Voilà. En attendant. Et me revoici les amis, regardez ça. Ça y est, on l'a fait. On a fait 10 bières puisqu'on a commencé à récolter le houblon, là, le barley. C'est ça qui nous permet d'en faire. C'est pour ça que je ne pouvais pas plus en faire. Mais c'est bon, elles sont faites. Regardez, elle est là. Et nous avons eu notre 25e point. Par contre, là, on est en train d'entrer dans l'hiver. Même pas, on est encore à la récolte. Mais il va falloir que je focus vraiment la nourriture. Donc là, je vais remettre à vitesse normale. Normalement, on devrait avoir de la bouffe qui rentre par ici. Là, j'ai tué quelques bestioles par là. Ça devrait revenir, mais pas assez pour passer l'hiver. Donc il va falloir que je me trouve vite fait d'autres animaux. Ou alors, il va falloir que je tue de la vache. Hein. Je peux tuer 5 vaches aussi, voyons. On va peut-être faire ça. On va tuer les 5 vaches et on va passer à l'âge de fer. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Alors, nos petites vaches, où sont-elles? Il y en a deux ici. Ah, c'est des jeunes. Où sont les grosses? Alors, en voilà une. Alors. Hop, hop. Toi. Hop, hop. On s'en fout du lait. Nous, ce qu'on veut, c'est à manger. Et toi. Voilà, on va buter ces trois-là. Cool. Ah, il y en a une ici? Ah, c'est une petite. Ok, on la laisse en vie, alors on va laisser grandir hein, pour avoir plus de nourriture. Et puis on va donc s'arrêter là, donc c'est parti. On entre, attention, dans l'âge de fer, les amis. On débloquera, si on ne meurt pas avant, toutes les dernières technologies. En particulier la bloomerie, blacksmith, steel making, on va même pouvoir faire de l'acier. Et nous entrons dans l'âge de fer. Iron smelting unlocked. Ok, et voilà, j'ai eu un petit succès Steam. Iron Man, parfait. Voyons ça alors, Iron Smelting, voyons. Alors, ça, Metal Smith, on l'avait, alors, ah, attendez. A place to make iron and steel tools, cool. Et ben voilà, c'est ça qui nous manquait pour faire tous les outils. Bon, on va s'empresser d'en mettre un ici. Alors, on va péter ça. Donc là, on fabrique outils, arc et vêtements. Donc les vêtements, on les fabrique de l'autre côté, ça on n'en a plus besoin. On va arrêter de fabriquer de cela et on va fabriquer plutôt cela. Et vous voyez que là, il manque des places parce que je suis en train de refaire les cabanes. Donc là, actuellement, j'ai plus de villageois que de places. Mais une fois qu'on aura refait les maisons, on est low en nourriture. Ok. Eh ben, ça craint, les gars, ça craint, ça craint. Donc ici, je casse ça rapidement quand même. Ça craint de faire avancer aussi vite le temps vers l'hiver. Sachant que là, j'ai l'impression qu'ils vont mettre du temps à le virer. Allez, démonte-moi tout ça. Attendez, faut que je fasse de la chasse en même temps, j'ai pas le choix. Alors là, ils ont bientôt fini, donc on va prendre ces gars-là. Et on va leur faire aller tuer ce petit âne. Voilà. Allez, au boulot. Ici, ça démonte. Allez, on se dépêche les gars. Ok, hop. Production, alors non, c'est dans le métal. Bam. Iron and steel tools. Just to make copper and bronze tools. Est-ce qu'il va pas me manquer des trucs? Non, non, normalement je peux enlever ça, hein. On est d'accord. Hein. Allez, grouillez-vous les gars. Voilà, tac. Et on va remplacer celle-là après parce qu'on va voir si on a. On va voir la différence de ce qu'on peut crafter si on a des couteaux, des lances et des haches et des fourches en métal. Parce que après, du coup, on peut lancer la production de métal. On est low en nourriture, 28 de nouveau. On va pouvoir lancer la production de métal, voyons ça. Alors, le place to make missile news tools. Le workshop, on l'a déjà, on est d'accord, hein, c'est ça. Voilà, workshop. On va peut-être en mettre un autre de l'autre côté. Et ensuite, ce qu'on va rajouter, ça se passe ici. Et ce sera donc des mines de fer. Déjà, on va en mettre une. Parce qu'il doit y en avoir tout près, voilà. Bon, déjà, on en aura une. Déjà, on va mettre même une deuxième. Ici, voilà. Ensuite, il faudra aller chercher la nourriture sans faute. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Bloomerie. Ah. Voilà, donc ça, c'est le four de deuxième génération. Donc le four de deuxième génération, on va les mettre ici. Hein. Voilà, on va le mettre là. Ok, et on va faire un dépôt pour stocker le métal.
Storage, alors non. Storage. Rock pile. Et on va mettre la dernière. On va mettre la dernière ici, en face de celle-là. Et alors, faudrait que ça se construise. Alors, on est bientôt en hiver, j'ai 29 de bouffe. Allez, tant pis, je tente l'accélération pour qu'on construise ça. Allez, s'il vous plaît, avant l'hiver là, que je puisse faire mon petit setup. 29 de bouffe, c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal. Non, s'il y a deux. Il n'y a pas des rouges là autour de la maison, non. Allez, dépêchez-vous! D'ailleurs, pourquoi c'est pas construit? Ah oui, c'est la bloomerie. Allez, 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 allez. Yes! Hop, on met les 4 cailloux, il s'en va. Et nous, on va accepter uniquement donc l'iron ore. Puisque tout est déjà classé autre part. Donc ici, on va mettre que de l'iron, comme ça, on va voir si on en produit. Et les amis, je pense qu'on va se laisser là. Hein. Metal smith. Ah, on peut faire tous les outils, trop cool! Alors, on va faire ça. Couteau, hache. Vous savez quoi, on va tout faire. Alors ça c'est en copper et ça c'est en bronze. Ok, et ça donc c'est bien la metal smith. Et je me suis trompé ou quoi? Puisque moi ce que je voulais c'était metal iron steel. Alors metal. Ah metal c'est là-bas, hein, on est d'accord. On est d'accord que ça va être ce truc là, non? Alors attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai fait disparaître. C'est ça un blacksmith, voilà, c'est bon. Ok, donc on va tout avoir, c'est cool, parfait les amis, on peut se laisser ici. On a préparé un petit peu l'Iron Edge, on va essayer d'améliorer ça dans le temps qui vient. On a nos murs qui sont bien construits ici, est-ce qu'on a encore des cailloux? Non, on n'a plus de cailloux, mais c'est normal, ils vont aller en chercher. Qu'est-ce que c'est que ça? Tin, copper, voilà, on a copper et tin, on va bientôt avoir du fer, c'est parfait. Et bien on peut se laisser ici, hein. On peut se laisser ici, on est entré dans le Bronze Age. Et bien les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci de suivre la série. Partagez la vidéo si elle vous plaise parce que le jeu mérite d'être connu, je pense. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite bon jeu et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.